Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous amène faire une visite de chantier. Alors, ce chantier que vous voyez là, normalement, nous devons terminer ça. Le client veut venir habiter ici dans 3 mois. Oui, nous sommes vraiment en retard. Nous sommes en retard et nous sommes obligés d'aller vite. Mais avant cela, je vais vous faire une visite de là où nous en sommes. Donc, vous allez voir dans cette vidéo tous les détails de ce chantier-là. Donc, si vous êtes prêts, je vais descendre, vous trouver, et on va démarrer la visite à partir d'en bas. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je descends tout à l'heure. Attendez-moi. Alors, à tout à l'heure. Voilà, voilà les amis, on se retrouve au rez-de-chaussée et on va devoir commencer la visite. Mais avant de démarrer la visite, une petite information. Notre prochaine session de formation « Comment devenir entrepreneur en bâtiment » démarre le 15 août 2023. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, regardez tout simplement la fiche qui est là et vous allez prendre les contacts pour vous inscrire. C'est 3 mois de formation 100% en ligne, donc vous pouvez faire cette formation-là de n'importe quel pays. Mais également, vous avez la possibilité de venir au Sénégal faire un stage avec nous dans nos bureaux ou bien sur un de nos chantiers. Donc ça, c'est une première. Donc, le stage également, c'est 3 mois et la formation, c'est 3 mois. Alors, pour la formation, rapidement, tout est dans la description. Donc, prenez rapidement contact avec nous. Et pour toutes les personnes qui ont envie d'investir ou bien de construire en Afrique, allez-y tout simplement visiter notre site web www.vraimmobilier.com. Vous allez voir tous nos projets que nous avons réalisés. Nous avons mis là-bas sur ces sites-là. Vous pouvez tout simplement aller visiter ces sites et voir un peu nos projets. Les projets que vous allez retrouver sur ces sites là-bas, là, ce sont nos projets. La plupart sont réalisés, d'autres sont en cours de réalisation. Ça vous donnera une idée sur ce que nous faisons au quotidien en Afrique. Merci beaucoup à tous nos frères de la diaspora parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, cet immeuble que vous êtes en train de voir, alors c'est une villa que vous êtes en train de voir, là, c'est pour un de nos clients qui est au Canada, qui nous a confié ces projets-là. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes qui continuent de nous faire confiance. On va commencer tout de suite la visite. Vous êtes prêts? Ok, ça va démarrer. Rapidement, en fait, ici déjà, nous sommes sur un chantier de 225 mètres carrés. Alors, pour ceux qui savent, les morcellements à Dakar, c'est fait sur 150 mètres carrés. Donc, 225 mètres carrés, c'est au-dessus de la moyenne. Donc, ici, à l'entrée, hein. Donc, tous à l'entrée ici, le chantier est presque à la fin. On a fini presque les grosses œuvres. Donc, vous voyez même la bétonnière, elle ne travaille plus trop. Cette bétonnière qui est là, elle ne travaille même plus trop parce que toute la partie coulage est déjà terminée. Nous sommes sur les finitions. Donc, on est en train de décoffrer, enlever tout ce qu'il faut enlever pour commencer les finitions. Et d'ailleurs, nous sommes là pour ça, pour commencer les finitions. Et d'ailleurs, on va revenir avec vous ici dans 1 mois pour que vous voyez l'évolution de ces chantiers. Donc, ici, ça, c'est le mur de clôture avec l'entrée qui est ici. Donc, on a 2 entrées. Alors, tu vas reculer un peu. Je vais montrer l'autre entrée. C'est de l'autre côté. On a l'entrée parking. Donc, c'est ici. La tôle que vous voyez en bleu là, ça, c'est l'entrée parking. Donc, vous allez voir qu'il y a un garage ici. Hein. Donc, juste là, un garage. Et ce que vous voyez là, ça va être de la végétation, de la verdure. D'ailleurs, vous allez voir vous-même dans quelques semaines, hein, vous allez voir l'évolution. Dans quelques semaines, vous allez voir l'évolution. Ça va être de la végétation, hein, de la verdure suspendue ici, avec une décoration de murs, de clôture. Et ici, ça va être l'entrée. Donc là, on est sur l'entrée. Voilà, donc on entre ici. Là également, vraiment, tout ce qui va être gain électrique, tout ce qui est service public, hein, donc l'eau, l'électricité, tout va être là, la poste, ainsi de suite. Et puis, voilà, on va entrer ici dans une cour. Donc ici, c'est une cour. Donc on a une petite cour avant ici. Ça va être, le gardien va rester de ce côté-là. Et puis ici, on entre ici. Donc vous me suivez, on est au rez-de-chaussée ici. Alors, ce qui se passe ici, ce bâtiment est assez spécial parce qu'on a 2 salons ici. Donc, vous allez voir, il y a un salon ici et puis un autre salon qui est là. Voilà, nous avons un autre salon qui est là avec la cuisine qui se trouve ici. Une cuisine ici, voilà. Tout ça, peut-être, c'est un chantier comme ça, mais d'ici quelques semaines, je vous donne juste 2-3 semaines. Parce que les grosses œuvres sont finies déjà. Vous allez voir, ça, tout ça, c'est le décoffrage. On est en train d'enlever. Même les enduits. L'enduit a commencé, vous voyez. C'est ça le crépissage. L'enduit a commencé. Donc, D'ici quelques semaines, vous allez voir que ça va aller très, très, très vite. Et une chose qui est très, très importante, vous voyez ce type d'escalier-là? Ça va être un escalier qui démarre au salon et qui va arriver en haut. Donc, cet escalier-là démarre au salon, ça arrive en haut. Et ici, alors, je vous dis rapidement ce qu'on a en bas. On a déjà une chambre pour amis, ici. On a la cuisine, on a deux salons. Et on a une toilette pour les visiteurs. Pour le rez-de-chaussée, cet escalier-là qui démarre au niveau du salon. Mais on a également un autre escalier. Et surtout également le parking. Quand on gare la voiture, en fait, on sort directement par ici. Voilà, donc on gare la voiture et on a un accès directement ici. Donc après avoir garé la voiture, on peut sortir directement, aller au salon ou bien prendre les escaliers. Et là, quand on sort, il y a deux escaliers. Voilà, il y a un autre escalier qui est là. Mais nous, on va monter les escaliers ici. Donc, en gros, c'est ce qu'il y a au rez-de-chaussée. On vient à l'étage. Alors, il y a une cour également arrière là-bas. Vous allez voir, il y a une cour là-bas. On vient ici. En fait, ce qu'on voit déjà, on a une chambre ici pour les enfants. Donc, une chambre enfant ici avec la toilette pour les enfants. Donc, les enfants qui seront ici, ils ont leur toilette. Et on monte ici. Quand on arrive là, vous allez voir ici maintenant, on est à l'étage, mais on va voir en bas. Donc, directement, on voit tout ce qui se passe en bas. Donc, c'est un balcon qui se trouve dans le salon. Nous avons une deuxième chambre ici. Alors, deuxième chambre de l'étage, hein, parce qu'en réalité, il y a déjà une chambre au rez-de-chaussée. Donc, deuxième chambre ici, avec une salle de bain. Sa toilette visiteur est là. Et ici, nous sommes dans la grande chambre. Donc, ça, c'est la grande chambre des parents. Donc, la chambre parentale avec... une terrasse qui est là. Donc, vous m'avez vu tout à l'heure, là, j'étais sur la terrasse. Ici, ça va être bien vitré quand même, hein, ça va être vitré. Et de ce côté-ci, on a un balcon. Voilà, ça, c'est la chambre de parents. Et dans la chambre de parents également, placard, donc closet, avec... toutes les chambres ici ont des salles de bain. Donc, ici, on a zone de placard. Donc, on aura des placards avec baignoire, ici, cabine de douche, dans la toilette. Donc, il y a une toilette, une grande toilette également des parents. Voilà. Et puis, on va venir ici. Donc, ça fait déjà trois chambres en haut. Donc, rien que au premier étage, on a déjà trois chambres. Au rez-de-chaussée, on a une chambre. Et là, on a encore un autre espace, un petit espace. Et on continue l'escalier. On va maintenant au deuxième étage. Donc là, nous sommes au premier étage et on continue au deuxième étage. Alors, ça, c'est... les équipes qui travaillent ici, ils sont presque à la fin ici. Pratiquement. Il reste là. Voilà, donc c'est monsieur-ci. C'est l'homme fort, c'est l'homme fort. C'est le grand manœuvre là. C'est lui le chef d'équipe ici. Donc, tout le travail que vous êtes en train de voir là, vous voyez ces messieurs-là. Voilà. Donc, on arrive ici. Ici, en fait, c'est une autre cuisine. Vous allez voir, ça c'est une cuisine. Oui, ça, en fait. La cuisine, voilà. Ça c'est une cuisine qui va être à la terrasse carrément. Donc, il y a, vous allez provoquer. En fait, c'est déjà prévu ici une table, en fait. Voilà. Donc, on a déjà prévu une table. Une table sera ici avec pour évacuer tout ce qui va être gaz, ainsi de suite. Et là, la ménagère, en fait, ici, c'est la chambre de la ménagère. Donc, la ménagère va vivre ici. Ça, c'est la ménagère qui va vivre ici, à côté de la cuisine. Et puis, vous allez voir qu'on a une terrasse maintenant ici. Et là, on a une toilette aussi pour la ménagère. Et voilà. On arrive sur une grande terrasse. Une terrasse découverte. Une terrasse. Alors, ici, il y a trois choses qu'il faut comprendre. Alors, tu vas te mettre d'un côté pour qu'on voit ici. Quand on est ici, il n'y a rien en haut. Tu te mets de l'autre, il n'y a rien en haut. Donc, c'est une terrasse vraiment en découverte en fait. Donc, il n'y a rien ici. Donc, le soir comme ça, on peut prendre. Et ça, ce n'est pas la hauteur finale en fait. Ce n'est pas la hauteur finale. On va compléter ça avec un vitrage quoi. Donc, normalement, ça doit arriver jusqu'à 1,10 m, la hauteur totale. Parce que là, 40 cm, c'est juste le support. C'est trop petit. Donc, ça va arriver jusqu'à 1,10 m. À partir de 1,10 m maintenant, avec du vitrage, on pose des chaises ici et puis on regarde le quartier. Parce que là même, là, vous voyez, c'est un espace vert dans le quartier ici qui est très, très agréable à voir. Espace vert dans le quartier ici. Donc ici, c'est pour rester ici. Mais ça, c'est en découvert. Après, ici, c'est semi-couvert. Donc à ce niveau, c'est semi-couvert. Donc quand il fait très chaud, le soir, on peut rester carrément là-bas. On peut rester ici également. On peut rester là. Et carrément couvert, c'est ici. Donc après, ici, ça va être couvert avec du vitrage. Et c'est une terrasse également qui est là. Donc on a trois zones qui vont être ici, couvert, semi-couvert et découvert. Et là, on a une vue ici sur l'entrée. Donc ceux qui viennent, il y a l'entrée qui est juste là. Vous voyez, qui est à ce niveau. Donc les amis, vous voyez un peu. C'est ce chantier-là qui est en train d'avancer. Normalement, la course, c'est contre la montre hein, parce que normalement, la semaine qui va suivre, là, tout ce que vous voyez là, normalement, c'est pour dégager tout ça là. C'est pour dégager maintenant tout le reste. Ça, vous voyez que le coffrage, tout est fini. Même l'enduit a commencé. Vous voyez que l'enduit même a commencé. Donc, normalement, le but, c'est de dégager, de nettoyer le chantier dans les semaines à venir, quoi. Pour que le peintre, le carreleur et tout cela démarre certainement la semaine prochaine. Donc, si on revient ici même dans un mois, dans 3 semaines, même, vous allez voir que ce chantier sera déjà très propre parce que tout est fini. Il reste juste les travaux de finition. D'ici là, portez-vous bien et dans une prochaine vidéo pour une autre visite de chantier. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.